Bonjour tout le monde, c'est j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petit village aux zoos, qui a franchement la classe. Du coup, pour être honnête avec vous, je prends de l'avance, parce que j'ai tellement envie de le construire, ce zoo. Du coup, je prends pas mal d'avance. Enfin, pas mal, je dois avoir une petite semaine d'avance. Et donc, je viens de voir vos commentaires pour le nom du restaurant, et vous avez de très bonnes idées. Et du coup, je me suis dit que... Pour les restaurants, je vais donc l'appeler le Troubadour. Alors, comme ça, vu qu'il y a une petite salamandre et tout, ça fera joli. Et en fait, la place qu'il y a là, je vais faire une petite arche, je pense, ou quelque chose comme ça, que je vais appeler les délices européens, parce que vu qu'il y a plusieurs stands, je trouve que ça peut être sympa, en fait. Ça en fera plusieurs en fait, enfin ça désignera plusieurs stands. Donc je trouve que ça peut être sympa. Donc en fait, je me dis, n'hésitez pas, si vous avez des noms de restaurants, de places ou quoi que ce soit, bah je suis preneur en fait. Parce que genre, par exemple pour la camionnette là, on pourrait lui donner un petit nom. Bah même pour la place, là, on pourrait donner un petit nom. Pour le port, là, pareil. Pour les prochains trucs, en fait, on pourrait donner un petit nom. Donc, si vous avez des idées de noms, il n'y a pas de souci, vous me les mettez. Généralement, ce sont des bonnes idées qui me plaisent, donc il n'y a pas de souci, je les mettrai dès que je peux. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que... Ce magnifique pont, il est trop beau. On va s'occuper de cette zone-là. Cette vignoble aussi, il est trop beau. Oui, je kiffe ce que je fais. Cette zone-là, et... En fait, toute cette zone-là. Parce que là, il va avoir. Parce que là, c'est en pierre et tout, mais il va avoir un petit changement par là. Vous verrez. Je vous en dis pas plus. Vous allez comprendre. Du coup, bah, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure.
Thank you.
Tout le monde, on en a fini pour aujourd'hui. En fait, j'étais parti à la base pour un truc un peu plus classique, mais après je me suis dit que en fait, en faisant semi-classique et puis campagnard, on va dire, ça s'accorderait bien avec en fait tout ça. Et c'est le cas. En fait, c'est très très joli. Le port, je le trouve très très beau. Ça fait un, comment ça s'appelle? Enfin, il n'y a pas de grosse différence entre droite et gauche. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait. On a ajouté les petites barrières là. Je sais pas si je vais en mettre là. Je sais pas ce que je vais faire là encore comme barrière. J'ai mis une petite barrière en bois là, juste pour faire joli, faire un peu plus rustique. Et avec le côté là, un petit peu de déco. Je vous avais dit que vous allez en manger des vignes. Donc là, il y a la petite vigne. Alors. Là, si vous avez un nom pour le petit port, je suis preneur, il n'y a pas de souci. De la décoration à foison. J'ai rajouté ça, je l'avais pas vu. Mais en le remettant, franchement, je trouve que ça fait hyper beau. Le seul truc qui est dommage, en fait, c'est qu'on ne peut pas poser les bancs qui sont pas sur la route. Donc peut-être que je vais faire des bancs pour les mettre là, je ne sais pas encore. Je verrai. Ah oui, donc on a le petit pont. J'ai fait aussi un petit pont, le Love Bridge. Je me suis dit qu'un jour, peut-être en mettant des cadenas par-ci par-là, ça fera joli. Si un jour ils font le cadenas. Et j'ai fait un grand centre commercial, un grand centre commercial, en bord de l'eau, avec une petite terrasse toute mignonne. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai fait l'erreur de pas mettre à plat la route. Donc en fait ils ont les pieds, les mollets un peu dans le sol mais c'est pas grave. Et puis franchement je l'aime bien cette maison. Petite maison de campagne qui aura accès en fait une vue sur l'enclos parce que oui l'enclos sera en partie ici. Donc la vue qu'il y aura là sera devant le centre commercial en quelque sorte. Faut que je trouve quoi mettre là. Et puis voilà. Je vais mettre en nuit, juste pour voir. Oh là là. Oh, c'est que c'est beau. Franchement, c'est beau, faut le dire. Avec les petites tables et tout, les lumières. Alors oui, petite astuce. Moi, j'ai pas de porte vitrée. Hein, il n'y en a pas des portes vitrées. Alors comment je fais les portes vitrées? Je prends un truc en verre qui est déjà fait là et je mets derrière les vitres lumineuses. Comme ça, on a l'impression que ça mène à un salon derrière. Alors ce qui n'est pas le cas. Hein. Comme ça va plus vite. Franchement, c'est tellement... Oh, j'avais pas vu, mais ça rend tellement bien. Ah bah il y a un visiteur qui est content de venir, dis donc, regardez ça. Et là, une petite allée. Ah, peut-être que je vais mettre des lumières. Parce que oui, les ventilateurs font des lumières, mais peut-être que je vais mettre des petites lumières lampes là. Enfin, une guirlande là. Ah, j'ai pas mis la sécurité là. Faudrait que je mette la sécurité là. Pour qu'il fasse le tour. C'est les toilettes, c'est ça là? Ah non, c'est le point d'info. Donc voilà. Et je trouve franchement que ça rend super bien. Regardez. L'ensemble de nuit. Il rend vraiment bien. Petite rue étroite par-ci, par-là. Là, on passe le pont et là, ils vont dans le la zone commerciale. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je m'éclate avec ce nouveau DLC, avec ce nouveau zoo. Franchement, je trouve ça vraiment superbe. Il y a tellement d'idées dans ma tête qui pop que j'ai envie de faire. C'est assez fou. Enfin bon, du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pareil, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Moi je vais continuer. Moi, je continuerai demain, je pense, pour prévoir la prochaine vidéo. Parce que là j'ai trop envie de faire tout ça. Je suis comme un gosse. Et du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.